بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين لهذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الأحمر كونسوليداسيون، التي تتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. قناة الأحمر كونسوليداسيون التي تقدم لكم دائما إن شاء الله كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة اللغة الفرنسية أو مادة الرياضيات باللغة العربية وباللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي. قناة الأحمر كونسوليداسيون التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. شكرا، شكرا جزيلا لكم. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات والبارتاج، الكومنتير، اللايك لكي تعم الفائدة، وشكرا. بونجور ا توس، بونجور ا توت، بونجور ا تليفون دو ماشي، جيسبيغ كو فوز الي توجور تري 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 بيان كوم دابيتود. ما بريزونس اجوردي سي بور فو بريزونتي اون نوفيل لوسون دو ماتيماتيك. سي اون لوسون ديستيني اوز ايكوليي اي اوز ايكوليير دو لا سي ام ان. بون سوي اتونتيف اي سويفي بيان. Mathématiques CM1, leçon 17, les nombres décimaux, l'adad al-ashariyya. Comparer, ranger, encadrer. Muqarana, tartib, wa hasr, adadi. La page 52, manuel de l'élève. Les objectifs, comparer, ranger, les nombres décimaux. Muqarana, tartib, adad al-ashariyya. Encadrer, al-hasr, les nombres décimaux. Hasr, adadi, ou adad al-ashari, bien adadi, sahihin, ou bien adadi, عشرية. entre deux décimaux ou bien entre deux nombres entiers naturels. Calcul mental. Soustraire 9, 99, 999. 34 moins 19. 34 moins 19, ça va donner 1. 20 plus 10, ça va donner 15. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire 39 moins 20, hein, plus le 1 qu'on a ajouté ici. Nous avons 19, mais on a ajouté 20, on a retanché 20. Donc ça va donner 14 plus 1 égale à 15. 35 moins 9 égale à 35 moins 10 plus 1. Donc ça va donner 25 plus 1 égale à 26. 3000 moins 999 égale à 3000 moins 1000. On ajoute 1. Alors plus 1, entre parenthèses. 9 égale à 3000 moins 1000 égale à 2000 plus 1 égale à 2001. Égale à 2001. Bon, voilà le calcul mental. Construction du concept. Dries a une canne à pêche de 2,64 mètres. La canne à pêche a longueur 2,64. Celle de Lubna mesure 3,1 mètres. Et celle de Rachid mesure 2,8 mètres. Donc, nous avons trois mesures. Hein, trois mesures des cannes. De Driss, de Lubna et de Rachid. Alors on va essayer de les comparer pour savoir quel est le plus grand ou bien le plus petit. Je passe à l'autre tableau. Bien, je termine l'explication. Compare 2,64 et 3,1 avec le signe inférieur ou bien égal. Nous avons 2,64 égale à les unités 2 plus 64 sur 100, soit 64 centièmes. Et 3,2,1 égale à 3 unités plus 1 sur 10, ou bien 100, 1 sur, 10 sur 100. Alors, nous avons le nombre des unités 2, il est inférieur à 3. Donc, on va écrire 2,64 est inférieur à 3,1. Voilà. Compare 2,64 et 2,8. Nous avons 2,64 égale à 2 plus 64 sur 100, 2 unités plus 64 centièmes, et 2,8 égale à 2 plus 8 sur 10, 8 sur 10 est égal à 80 sur 100. Alors, nous avons 2,8 et nous avons 2,64. Alors, 2 est égal à 2, 6 il est inférieur à 8, donc 2,64 il est inférieur à 2,8. Compare ces trois longueurs dans l'ordre croissant. Donc nous avons 2,64, il est inférieur à 2,8, il est inférieur à 3,1. Donc voilà
la comparaison. Encadre entre. Alors maintenant, on va essayer d'encadrer un nombre entre deux nombres. Les deux entiers les plus proches. Encadre entre deux entiers les plus proches. Alors, 2. Nous avons 2,64, c'est le nombre décimal. Donc, je vais essayer de l'encadrer. Nous allons faire un nombre entre deux sahihs. إذن عندي العدد الصحيح هو جوج والعدد اللي فوق منه هو ثلاثة. خلاص ثم عندي 3.1 العدد الصحيح هو ثلاثة والعدد الأكبر هو أربعة. لي دو ديسيمو لو بلو بروش هنا غادي نحصل بين عددين العشرين ولكني تيتكونوا من رقم واحد من الفاصلة. شيف أبري لا جوج أن سول شيف نو زافون 2.64 دونك لو شيف كون أي 6 سي 6 دونك جو فيي إكري 2.5. Nous avons 6, je vais écrire 2,7. Un seul chiffre. Activité de mathématisation, un chiffre écrit inférieur, plus grand ou égal. 2,8, 3,4, donc ici 2 inférieur à 3, donc c'est inférieur. 7,18, 6,46, donc 7 est supérieur, donc c'est plus grand. 9,1, 9,10, c'est la même chose. 9,1, c'est égal à 9,10, égal. 1,8, égal à 1,800, c'est la même chose. 7,5 c'est égal à 7,50, ils sont égaux. Ils sont égaux. Quatrièmement, range ces nombres dans l'ordre croissant. Là, on va dire que c'est l'asghar et l'akbar. 2,4, 1,35, 2,13, 3,2. Alors, on va commencer par. On va comparer les unités. Le plus petit nombre des unités. Nous avons 1. Donc, 1,35, c'est inférieur. Je passe à 2. 2,1. Donc 2,13, il est inférieur à 2,4. Nous avons ici 40, 2,40. Puis nous avons 3,2. Alors, quel est le nombre, notre nombre? Nous avons 1,35. Et nous avons 2,13. Et nous avons 3,2. Et nous avons 3,4. Est-ce qu'on a trouvé 3,4? 2,13, 1,35, 3,2. Donc ici nous avons 3,4. Non pas. Donc nous avons 3,4. Voilà. Encadre entre deux. Encadre entre. Encadre entre les deux décimaux les plus proches, ayant un seul chiffre après la virgule. Encadre entre les deux décimaux les plus proches. Donc ça veut dire entre deux nombres décimaux. On va encadrer entre deux nombres décimaux. Bien. Alors, quel est le nombre qu'on va encadrer? 6,35. Je vais encadrer ce nombre-là entre deux nombres décimaux avec un chiffre après la virgule. Donc, si nous avons 6,3, donc quel est le nombre inférieur à 3? C'est 2. Donc, 6,2. Ici, nous avons 6,4. 4 supérieur à 3 et 3 supérieur à 2. 12,86. Donc, ici, nous avons 8. Donc, je vais écrire 12,7. Je vais écrire 12,9. Voilà. Évaluation formative. Skim, Nihai. Range ces nombres dans l'ordre croissant. 5,24, 4,8, 4,58, 5,3. Donc je vais commencer par le nombre le plus petit des unités. Nous avons 5, 4, 4. Donc voilà les deux nombres. Quel est le plus petit? 5. Donc je vais écrire 4,58, puis 4,8. Et je passe à 5,3, 5,2. Donc 5,24 et 5,3, ça veut dire 30. Donc voilà la comparaison. J'ajoute ici un 0. Encadre 9,43 entre les deux décimaux les plus proches ayant un seul chiffre après la virgule. Donc nous avons 9,43, 4, un seul chiffre. Quel est le nombre le plus petit? C'est 3. Quel est le nombre le plus grand? C'est 5. Donc 9,3 et 9,5. Consolidation, remédiation. Avec ces 4 étiquettes, écrites 4 décimaux entre 0 et 5. Entre 0 et 5. Bien, alors nous avons 9, 0, 4, virgule. On va écrire 4 nombres décimaux
compris entre 0,0 et 5. Nous avons 0,49, 0,94, 4,9 et 4,09. Donc ce sont des nombres qui sont inférieurs à 5 et qui sont supérieurs à 0. Approfondissement, c'est temps. Nous avons d'un 100 mètres nage libre. Le temps, hein, le mot de Zamania. Nadan, 47,85 secondes. Timer, 47,8 secondes. Et nous avons 47,58 pour Chalmel. Alors, quel est le nageur qui arrive le premier? Ça veut dire qu'il y a le moins de temps. Donc, quel est le nombre le plus petit ici? Nous avons 47. 47,58, 47,8, ça veut dire 80, 40. Donc ici, nous avons 47,58 qui est arrivé le premier. Ça veut dire que là, le temps qu'elle a passé, il est plus petit. Hein? Et donc, on va aller à 47,58 chez elle-même. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu des nombres décimaux, la comparaison, le rangement des nombres, etc. et l'encadrement. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.